À la maison, tu peux lire tous les chapitres, mais ce matin, puisqu'on n'a plus de temps, tu lis juste le premier verset jusqu'au 4e verset, et puis nous allons sauter du 32e au 44e verset, et ensuite nous allons finir par le 49e verset jusqu'au 55e verset. Donc je répète, Jean chapitre 11, du premier au 4e verset, toujours Jean chapitre 11, du 32e verset au 44e verset, toujours Jean chapitre 11, 49e verset au 50e verset. Jésus au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui voilait de parfum le Seigneur et lui essuyait les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Le Seigneur envoya un à Jésus. Seigneur, voici celui que tu aimes qui est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Verset 32 jusqu'au verset 44. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand Jésus vit qu'elle pleurait et que le juif venu avec un pleurait aussi, il vient mis en son esprit et fit troubler. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Les juifs disent donc, voyez comment il aimait. Et quelqu'un d'entre eux dit, lui qui a ouvert les yeux d'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meurt pas? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car c'est le 4e jour. Jésus lui dit, les 15 familles, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule de ce qui se tient ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alors, après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Et le mort sortit, ses pieds et ses mains liés des bandelettes et le visage enveloppé des linges. Jésus a dit, déviez-les, bien laissez-les aller. 49, 50. L'un de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne vous rendez pas compte qu'il est avantageux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne périsse pas. Amen. Amen. Tendre Père, bénis ta parole, continue ta pensée. Je sais une chose, là où l'Esprit et la parole s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Je prie que l'Esprit et la parole puissent s'accorder ce matin avec la Seigneur de Jésus soit proclamé au tout niveau. Parle à un cœur. Parle à un frère, parle à une sœur, parle à un père, parle à une mère, parle à un enfant ce matin, parle à un ami ce matin, Seigneur. Tu deviens l'enfant, Seigneur, du nom, que tout soit sous ton contrôle, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. 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 Le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Il y a quelqu'un qui ce matin, qui nous sommes en train de trouver devant sa présence. J'ai dit le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée ce matin.
Donc, si cela dépendait des hommes, je n'allais pas être là. Il est vrai que la santé n'est pas bonne, la voix d'ailleurs n'est pas bonne, mais peu importe, à chaque circonstance, il faut que l'évangile soit proclamé. Amen. 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 Le thème de ce matin, je l'ai intitulé Lazare et ses situations. C'est le thème que j'ai proposé ce matin. Donc, Lazare et ses situations. C'est ça le thème. Que nous aurons à exploiter ce matin. Ce matin, comme vous l'avez déjà compris, on a vu les petits concernant l'histoire de quelqu'un que vous connaissez trop bien, très bien, là, Lazare. Et je pense que ce matin, Lazare sera comme un matériel didactique pour nous, pour que nous puissions comprendre ce que Dieu veut également nous dire ce matin. L'histoire de Lazare est décrite essentiellement et spécialement dans le livre de Jean. À part Jean, dans d'autres évangiles, on ne parle pas de l'histoire de ces Lazare. C'est Lazare qui avait connu la mort, qui après était réveillé à la vie. Lazare, comme on le dit dans les textes, Lazare de Béthanie, pour bien le distinguer, c'est quelqu'un qui habite Béthanie, qui était le frère de Marthe et de Marie, mais en même temps qui était aussi ami de Jésus. Il était le frère de Marie et de Marthe, mais en même temps ami de Jésus. Et donc ce matin, Lazare, c'est lui qui va être un matériel qui t'a fait pour que nous puissions comprendre la pensée de Dieu et de communiquer ce matin. Concernant le thème, nous avons introduit notre thème Lazare et ses situations. Lazare, ça peut être aussi ce matin, selon notre contexte, ça peut être un homme, ça peut être toi, ça peut être moi. Puisque ça peut être toi, puisque ça peut être moi, à force du nom, c'est Lazare, ça peut être aussi nous. Mais en même temps, Lazare aussi, ça peut être aussi une situation qui n'existe plus. Les choses, si vous voulez dire que Lazare aussi, ça peut être aussi quelque chose de plus précieux, quelque chose qui a tellement de la valeur pour nous, mais qu'on sent qu'on a perdu. Ça peut être aussi un Lazare, c'est la paix. Amen. Alléluia. L'histoire nous parle de ces Lazare. Ce qui est plus important concernant ces Lazare, il y a deux Lazare qu'on parle, on connaît communément. Il y avait le pauvre Lazare et c'est Lazare de Béthanie. Mais ce qui est commun, c'est que les deux ont connu la mort. Mais on ne parle pas de notre pauvre Lazare qui s'est retrouvé avec le jeune homme riche. Mais nous parlons aujourd'hui de ces Lazare qui était l'ami de Jésus. La Bible nous dit que c'était quelqu'un qui était malade. La Bible n'explique pas quel genre de maladie il était atteint. Mais ce que je sais seulement, la Bible me dit qu'il était malade et il avait fini par connaître la mort. Il a fini par connaître la mort. La Bible dit qu'il a connu la mort. Les gens sont venus à la maison pour pleurer ensemble avec ses soeurs Marie et Marthe. Les gens sont venus pénétrer dans la maison. C'est pourquoi, entre parenthèses, je vais dire à quelqu'un ce matin, n'accepte pas de mourir. Si quand tu vas mourir, il y a certaines personnes, des voisins, je ne parle pas des voisins, les voisins, les bons voisins, mais je parle des mauvais voisins. Les mauvais voisins peuvent profiter le jour de ta mort pour venir accéder dans la maison. Amen. La mort dont je parle en référence en ce lieu, c'est cette mort-là. La mort de la prière, n'accepte pas de mourir dans la prière, parce que quand tu meurs dans la prière, il peut arriver que les voisins, les mauvais voisins, les diables puissent venir profiter et venir dans la maison. Alléluia. La Bible dit que quand il est mort, les gens sont venus dans la maison. Même si il n'avait pas de relation propre, il vient parce qu'il y a quelqu'un qui est mort. Ne meurs pas dans ta vie de sanctification. Ne meurs pas dans ta vie de consécration. Quand tu meurs, il y a des gens qui viennent mort. Chaque histoire de quelqu'un avec Élisée. La Bible nous dit que lorsque Élisée était mort, la Samarie a connu la visitation. L'année suivante, il y avait des Moabites qui sont venus envahir la Samarie. Alors qu'ils ne sont vivants, les Moabites n'envahissaient jamais. Mais lorsque Élisée est mort, les Moabites sont venus envahir la maison. Amen. Ils sont venus envahir la Samarie. Leurs ennemis, ils sont venus les attaquer, les envahir, les assujettir. Le jour où, selon la période où le prophète Élisée était mort. Si tu meurs, peut-être que ta maison est protégée. Peut-être que ta famille est protégée parce que tu es encore vivant dans la vie de prière. Parce que tu es encore éveillé dans la vie de sanctification. Parce que tu es encore éveillé dans la vie de consécration. Mais le jour où tu vas mourir dans ta vie de consécration, le jour où tu vas mourir dans ta vie de sanctification, le jour où tu vas mourir dans ta vie de prière, il y aura des gens qui vont pénétrer à la maison. Amen. Amen. Alléluia, ce que je parle avec toi. C'est pas les contextes qu'on parle ce matin. Mais les choses parlent. Lazare, lorsqu'il est mort, les gens sont venus à la maison. Mais c'est que Jean, la Bible me dit, Lazare était malade. Pendant qu'il était malade, il y a des gens qui sont partis voir Jésus parce que Jésus était son ami. Vous lui rapportez la nouvelle en disant, mais ton ami, la personne que tu aimes tellement, il est malade. La personne est tellement malade, la personne que tu aimes. Jésus
maintenant, même s'il est malade, je sais qu'il ira par ressusciter. Je dis, il a bafoué cela. Il a bafoué cela. Mais frère Jacques, on est parti enterrer Lazare. Mais au quatrième jour, je dis, c'est quand même présenté. Il se présente quand même au quatrième jour. Si Marc pouvait pleurer parce que Lazare était malade, si Marie pouvait pleurer parce que Lazare était malade, Apostolique pouvait pleurer parce que Lazare était enterré. Mais c'est que le Jésus qui avait bafoué entre guillemets la venue pour venir les guérir, il est quand même arrivé au quatrième jour. Alléluia. Jésus s'est présenté devant Marie. Jésus s'est présenté. Je suis venu dire à quelqu'un, je ne sais pas peut-être ton Lazare est malade. Je ne sais pas peut-être ton Lazare a connu la mort. Mais la bonne nouvelle que je t'annonce ce matin, lorsque Jésus arrive, la possibilité de la résurrection est là. Lorsque Jésus arrive, tout est possible. Le Jésus qui arrive, ce n'est pas l'homme comme n'importe quel homme. Le Jésus qui arrive dans la vie de ses amis, c'est celui qui y est venu. Le Jésus qui est venu dans la famille de Marc et de Marie, ce n'était pas un homme ordinaire, c'était un Dieu acharné en os. Alléluia. Le Jésus qui était venu, c'était un Dieu de la tête jusqu'au pied. Le Jésus qui était venu, c'était un Dieu, quelqu'un qui était bienvenu de la plénitude de la divinité. Alléluia. Le Jésus que je prêche ce matin, ce n'est pas un simple homme, mais il est Dieu. Or, rien ne peut résister à la présence de Dieu. Alléluia. Ça fait 4 jours que Lazare a été enterré. On l'a enterré, pour être fini. Ça faisait 4 jours. Mais au 4e jour, je suis à Paris. Je suis dit à quelqu'un, si ton Lazare est mort, si ton Lazare est malade, t'inquiète. Le 4e jour ne passera jamais. Au 4e jour, Jésus va s'annoncer. Au 4e jour, Jésus va se faire voir. Amen. Il arrive au 4e jour. Amen. Il est le seul du 4e jour. Alléluia. Amen. Vous savez, le mot de la création, la Bible dit que la terre était en forme. Il y avait des ténèbres dans la surface de la terre. Mais c'est que la lumière existait déjà. Mais cette lumière, c'était une lumière invisible. Mais c'est que au 4e jour, le soleil a apparu. On a créé le soleil. Oh, le soleil, c'est la source même de la lumière. Mais c'est une source qui est visible. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu existe déjà depuis le commencement. Mais au 4e jour, il doit apparaître en chair et en os. On doit le voir. Alléluia. Au 4e jour, Jésus est arrivé. Au 4e jour, Jésus est arrivé pour pouvoir résoudre les problèmes de Marc et de Marie. Ce matin, je suis venu rassurer et Marc. Je suis venu rassurer et Marie que lorsque Jésus arrive, les Lazare se sont perdus de revenir encore à la vie. Amen. Amen. Jésus est arrivé. Marie dit, oh Seigneur, si tu étais là, si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. Si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. Oh, devant Dieu, il ne faut jamais conjurer au passé. Devant Dieu, il faut conjurer au présent. Dieu n'a pas besoin du passé parce que le passé ne lui dit absolument rien. Il est celui qui est actuel, il est celui qu'on appelle Jésus. Il est présent. Alléluia. Lorsque Jésus se révèle dans ta vie, ne conjure pas au passé, ça me sort aux allergies, ça me sort aux allergies. Pendant qu'il est là, dis-lui ton véritable problème. Dis-lui c'est quoi le problème. Ne conjure pas au passé, ne te contente pas à la nostalgie du passé, parle par rapport au présent. Alléluia. Amen. Je suis venu à quelqu'un, parle au présent. Je ne sais pas ce qui te dérange, mais je suis venu te dire, le Dieu qui vous sert, c'est un Dieu du présent. Amen. Je suis venu te dire, c'est un Dieu du présent. Ceux qui se souviennent du passé sont les gens qui désespèrent. Amen. Ce sont les gens qui ne pensent, qui n'ont plus d'espoir pour l'avenir. Mais ceux qui ont l'espoir pour l'avenir, ils conjuguent maintenant, au présent. Tu peux faire quelque chose. C'est pas tel que je suis venu à quelqu'un. Jésus peut faire quelque chose. Il n'y a pas besoin que tu conjugues au passé. Il est déjà là. Amen. Jésus était en train de parler avec Marie-Marie. Marie était en train de pleurer, la Bible dit, il pleurait tellement. Il a vu qu'elle allait essayer des situations pour lesquelles il faut vraiment pleurer. Mais ce matin, je suis venu lui dire, pleure quand tu as des problèmes, pleure quand rien n'est pas, pleure quand tu perds ton Lazare, pleure quand tu perds ton frère Lazare, pleure, mets-toi à sanglot. C'est bien, il faut pleurer. Mais ce que je voudrais te dire, il est avantageux que tu pleures devant Jésus plutôt que de pleurer devant les hommes. Amen. Quand tu pleures devant les hommes, il est pour continuer à te dire, voilà ce que tu peux dire. Il sera là pour te rappeler ce que tu as perdu. Mais si tu pleures devant Jésus, il sera là pour essuyer tes larmes. Si tu pleures devant le sépulcre, si tu pleures devant le tombeau, le tombeau ne sera là que pour te rappeler le Lazare.
mort. Mais si tu pleures devant Jésus, Jésus sera là pour consoler ta vie. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais je suis venu te dire, pleure devant Jésus. Si tu as perdu quelque chose, pleure devant Jésus. Ne pleure pas devant les hommes, ne pleure pas devant la tombe. La tombe sera là pour te rappeler ce que tu as perdu. La tombe sera pour te rappeler ce qui n'est pas mal. La tombe sera pour te rappeler tes problèmes. La tombe sera pour te rappeler tes faiblesses. Mais Jésus sera là pour résoudre ton problème. Amen. Pleure devant Jésus. Et c'est que Jésus aussi te rappelle pour ceux qui l'aiment. Lorsqu'il pleure, c'est les pleurs qui compassent. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je suis tellement simple. Alléluia. Pleure devant Jésus. Pleure devant Jésus. Vous savez, la foi, c'est qu'on s'accroche aussi à ne pas pleurer devant les hommes, mais à pleurer devant Dieu. La foi, ça consiste aussi à maintenir une attitude de calme, une attitude de paix devant les hommes, mais à pleurer devant Jésus. Alléluia. Amen. Tu as des situations devant les hommes, fais semblant. Dis-toi, tout va bien. Dis-toi, tu connais quand tu vois le Seigneur, pleure devant sa face. Alléluia. Alléluia. Pleure devant la face du Seigneur. Ne pleure pas devant qui que ce soit. Tu pleures devant lui, après il pleura. Il sera là pour te dire encore. Ah ben, vous connaissez, alléluia. Pleure devant Jésus. C'est ça aussi la foi. La foi, c'est rester calme. Calme devant les hommes, mais aussi parler devant. Pleurer devant Jésus. Alléluia. Il faut pleurer devant Jésus. Il ne faut pas pleurer devant les hommes. Ne pleure pas devant les hommes. Pleure devant Jésus. Alléluia. Les situations dans ça sont les situations qui sentent les gens. L'homme de Jésus disait à Marie, mais où est-ce que tu as mis Lazare? Il est où Lazare? Moi je vais partir pour le ressusciter. La réponse de Marie, non, Seigneur, ça fait 4 jours que Lazare est mort. Il sent déjà. Ça fait 4 jours qu'il n'est plus en vie. Il commence déjà à sentir. Ça n'est pas pris. On ne peut pas supporter ça. Il sent. Mais comment est-ce que tu vas les résister? C'est matin, je vais dire quelqu'un. Les situations là, ça, sont les situations qui sentent déjà. Les situations que les gens ne veulent plus supporter. Par exemple, on va ressouffler. Par l'idée à ressouffler. C'est ça les situations là, ça. Les situations qui sentent le mauvais. Les situations que pour lesquelles les hommes ne veulent même plus s'approcher. Les situations Lazare. Les hommes ne veulent même plus s'approcher. Il y a des gens qui sont des Lazare. Qui sont déjà pourris. Les gens qui sont des Lazare, ça fait 4 jours. Ils sentent déjà. Toute la communauté ne veut plus d'eux. Ils sentent déjà. Même dans la famille, ils sont rejetés. On ne veut plus d'eux. Dans la société, on ne veut plus les sentir. Parce qu'il y a des gens qui ont une mauvaise réputation. Réputation va même les commissaires, les commissaires sur le rabais. Les gens ne veulent plus s'approcher de lui. Il a une mauvaise histoire. Les gens ne veulent plus les sentir. Ils sont des hommes. Lazare, alléluia. Mais je suis là pour dire à quelqu'un, si les situations de Lazare peuvent sentir devant les hommes, si les hommes peuvent refuser des approches de ces Lazare qui sont le maître Jésus, ne peut pas refuser des approches de ces Lazare, même qui est en train de sentir. Je ne sais pas ce que tu as vécu, je ne sais pas c'est quoi ta réputation. Je suis dit que même si les gens commencent à te rejeter pour ta mauvaise réputation, le Seigneur Jésus ne va pas te rejeter pour autant. Il n'y a aucun péché qui pourra faire en sorte que Jésus ne puisse pas venir à ton aide. Si les hommes t'ont rejeté parce que tu as tellement commis de mauvaises choses, si les hommes t'ont tellement rejeté parce que famille, la vie de ça, ton père a fait des mauvaises choses, il a commis des mauvaises choses, comme on a, et ça ne faut pas rappeler. Les gens ne peuvent même pas sentir ces hommes-là. Jésus ne peut pas se priver et s'approcher des gens qui sentent déjà. Alléluia. 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 Les situations Lazare, ce sont les situations qui sentent déjà. Les hommes ne veulent plus s'approcher. Les Lazare sont les gens qui sentent déjà. Oui, ça fait 4 jours. Ils sentent déjà. Les gens ne veulent plus s'approcher d'eux. Mais le Seigneur ne s'empêchera pas de s'approcher. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est pour lui en toi. C'est matin, Jésus qui te dit, je ne t'empêchera pas de t'approcher de toi. Je ne sais pas ce qui est pour lui dans ta famille. Jésus qui te dit, Dieu ne va pas te priver de s'approcher de toi, quel que soit ce que tu es en train de commencer à dégager. Ça fait 4 jours, ça fait longtemps. Tu sens déjà, le Seigneur ne va pas te priver. Si ça commence à déranger les hommes, ça dérange pas. Il est tellement amour, il est tellement compatissant.
Il n'était pas compatissant. Il n'était pas compatissant. Lorsqu'il vient, il vient avec la grâce. Alléluia. Il vient avec la grâce. Les situations de Lazare sont les situations qui ont double problème. Vous savez, Lazare était mort. Ça veut dire, Lazare n'était plus dans la possibilité de recevoir la guérison. Parce que la guérison, c'est pour les gens qui sont encore malades. Lazare n'avait plus de possibilité d'être guéri. Il a connu la mort. Il est arrivé dans une situation où la guérison n'est même plus possible pour lui. Alléluia. Le deuxième problème de Lazare, c'est que Lazare, non seulement il était mort, Lazare était enterré. C'est-à-dire qu'il s'est trouvé dans une situation des oubliettes. Donc, Dieu est ce qu'on va payer les situations. On va le prier. On va le prier. Topo Sanaï. Mais ce que je suis venu dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur Jésus est capable de travailler dans ces deux dimensions. Pour ce qui est mort, même pour ce qui est enterré. Alléluia. Amen. Les choses pour lesquelles tu as prié assez, Allah va les imaginer. Agissez pour ça. Il va les imaginer. Agissez pour ça. L'envoi t'a sauté. Je ne vais pas me marier parce que je n'ai pas de mari. Deux, j'ai déjà coiffé la sainte catégorie. Je ne vois plus mes périodes. Donc, c'est impossible de s'effacer. J'ai tous les problèmes. Non seulement de je peux, mais moi, pas ça n'a été. Personne ne me regarde. Mais ça, c'est fini. Ce sont des personnes dans ça. Elles sont mortes. Et en même temps, elles sont enterrées. Mais je suis venu à quelqu'un. Dieu est capable de travailler à ces deux dimensions. Amen. Moukada si koufa la mou et koufa. Ma bosa la mou la kita. Ma bosa la yo. Il s'appuie de la race par la boule de mon moyen. Je suis venu. Dieu est capable de travailler. Même pour les situations qui sont déjà enterrées. Ça c'est enterré. C'est fini. Il est capable de travailler dans ces situations. Je suis venu prêcher les pieds de Lazare. Je suis venu prêcher les choses de Lazare. Qui est capable de les restaurer? Alléluia. Je suis venu capable de les restaurer. Alors, toutes les choses, je dis bien, toutes les choses, rien n'est impossible à Dieu. Le Dieu que nous prions ici à Bethesda, rien n'est impossible à lui. Amen. Peu importe ce que le verbe s'est dit, peu importe ce que la maladie dit, peu importe, rien ne peut lui priver. Alléluia. Il ne peut l'empêcher d'accomplir et d'agir. Alléluia. Au cancer, au sida, n'importe où, c'est une petite chose. Alléluia. Une petite chose. Dieu est capable de travailler dans ces deux genres de situations. Alléluia. Amen. Pour la résurrection de Lazare, Jésus-Christ va donner de l'ordre à trois catégories de personnes. La première catégorie, c'était Marie. Il va dire à Marie, Marie, montre-moi là où tu avais mis Lazare. Marie dira, non, ça fait 4 jours. Ça fait 4 jours, il me sent déjà. Ça fait 4 jours. Je dis, quand vous venez, moi je m'en fous de ces 4 jours-là. Moi je veux que tu me montres où est-ce qu'on l'a mis. Je m'en fous de la durée. Je veux savoir où est-ce qu'on a mis Lazare. Jésus ce matin veut savoir où est ton problème. Il veut savoir ton problème, c'est celui à quel niveau. Jésus n'a pas besoin de plus lui rappeler, ça fait 5 ans. Il n'a pas besoin de plus lui rappeler, j'ai déjà 40 ans. Il n'a pas besoin de plus lui rappeler, j'ai déjà 50 ans. Il s'en fout de ça. Il veut savoir c'est quoi ton problème. C'est parce que Jésus lui te dit, tu as besoin de savoir quel est ton problème. Amen. La durée ne lui dit absolument rien. Lui, il est l'ancien des jours. Avant même que Lazare puisse connaître la mort, lui, il existait déjà. Avant même que la mort ne puisse venir frapper Lazare, lui, il était là déjà. Il est l'ancien des jours. Il est l'ancien des âges. Il n'y a pas de commencement. La maladie de Lazare avait un commencement. Mais Jésus n'a pas de commencement. Il n'a pas besoin que tu lui rappelles les temps. Il a besoin que tu lui rappelles. C'est quoi le problème? Ce matin, il faut que tu dises à Dieu. Quel est ton problème? Ce matin, tu as besoin de péter sur l'église. Quel est notre problème ici à l'église? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de lui dire, ça fait un temps, ça fait autant d'années, ça fait autant de mois, ça fait autant. Il n'a pas besoin de ça. Il veut savoir où est-ce qu'on a mis Lazare. Lazare est où? Ton Lazare est où? Tu as perdu un Lazare dans ta vie. Tu as perdu un Lazare dans ta famille. Ce matin, tu veux savoir, il est où ce Lazare? Montre-lui le Lazare. Amen. Alléluia. 4 jours de lui dire absolument rien.
Si Lazare avait fait 4 jours dans la tombe, Jésus n'a pas besoin de 4 jours pour le ressusciter. Un seul à l'instant même, Lazare peut sortir. Si ta situation avait fait 10 ans, tu n'as pas besoin de faire aussi 10 ans pour le ressusciter. Un instant même suffit. Une seule fois, un seul autre, ça suffit pour qu'il résoudre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si Nazareth est déjà appelé, tu ne le vois plus. Il est dans les oubliettes. Jésus peut le faire maintenant. Maintenant même. Maintenant même. Alléluia. Maintenant même. Jésus qui bénit, c'est le pasteur qui bénit, c'est le pasteur qui bénit, c'est le pasteur qui bénit, alléluia.
prière de Lazare après que Lazare sort. Parce que Lazare n'écoute que la voix de Jésus. Lazare n'écoute que la voix du maître. Il faut que le maître parle. Parce que lorsque le maître parle, tout obéit. Lorsque le maître parle, le mort écoute. Lorsque le maître parle, la maladie écoute. Lorsque le maître parle, la pauvreté écoute. Les ressorts ne sont là que pour ouvrir la prière. Amen. La générale en majeur de Bélé, au Futamanini, la femme de Bayo, au Futamanini, c'est Jésus qui guérit. Alléluia. C'est Jésus qui restaure. C'est Jésus qui restaure. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut que tu mais en même temps aussi, toi, Lazare, si tu sors de la tombe, n'oublie pas qu'il y avait ces gens qui avaient oublié ta prière. Alléluia. Il y a des choses qui ont oublié ta prière. Ne le supplie pas. Alléluia. Parce que Marie seule ne peut pas rouler la pierre. Toi d'ailleurs, Lazare s'est déjà guillé. Dieu mort, tu ne peux pas rouler ta propre pierre. Il faut qu'il y ait des gens pour rouler ta pierre. Ne les oublie pas. Alléluia. Ils sont venus rouler la pierre. C'est un ordre que Jésus a donné aux hommes qui les a accompagnés. Il faut qu'ils puissent rouler la pierre. Et la première catégorie des personnes, il va s'adresser à Lazare. Lorsque les hommes ont roulé la pierre, maintenant il va s'adresser à Lazare. L'ordre qui donne à Lazare, c'est que Lazare sort. Lazare sort. Ça veut dire Lazare quitte cet environnement là-bas. Cet environnement là de mort. Quitte cet environnement. Dans la tombe, dans le tombeau, on ne peut pas produire. Dans le tombeau, on ne peut pas avancer. Dans le tombeau, on ne peut pas produire du fruit. Dans le tombeau, on ne peut rien faire. Lazare, tu dois quitter cet environnement. Il faut que tu quittes cet environnement. Ce matin, je suis venu parler à Lazare. Là où tu es, c'est un endroit stérile, ça ne produit pas. Qui est cet endroit? Jésus t'a dit ce matin, Lazare, sors! Sors de cet endroit. Tiens mon temps assis dans le péché. C'est un environnement stérile. Sors de cet endroit. Quitte cet endroit. Alléluia. Tu dois quitter cet endroit. Tiens mon temps de mêler dans l'occultisme, de mêler dans la franc-maçonnerie, dans la magie. Tiens mon temps de mêler dans la sorcellerie. Tu dois quitter cet endroit. C'est quel endroit stérile? Lazare, sors! C'est bon. Je parle à Lazare. Tu dois être sorti de cet endroit. Il faut que Lazare sorte. Il faut que tu sortes. Il faut que tu sortes de cet endroit. Il faut que tu sortes de cet endroit. Je parle à Lazare ce matin. Je me dis, sors de cet endroit. Sors de cet endroit. Alléluia. Amen. Sors de cet endroit. Sors de cet endroit. Vous savez, lorsque Jésus parle, il parle à Lazare, il est à Lazare, Lazare sort. Et le mort est après. Lazare sort. Il obéit à la voix du maître. Si la voix des hommes peut rater, celui de Jésus ne rate jamais. Si les hommes parlent pour ta vie, je suis là pour te dire, ça peut rater. Mais lorsque Jésus parle, ça ne rate jamais. Ah, laisse les sorciers parler, c'est ce qui les sort. Ça ne pourra pas arriver. Mais il faut avoir peur lorsque Jésus parle. Parce que lorsque tu parles, tu peux tomber. La maladie obéit à Jésus. La pauvreté obéit à Jésus. La condamnation obéit à Jésus. Les échecs obéissent à Jésus. La mort obéit à Jésus. La mort a des oreilles. Il écoute. Il écoute. Lazare était déjà mort. Imaginez-vous, ça fait 4 jours. Ses oreilles étaient déjà bouchées. Ça fait 4 jours. Ses yeux étaient déjà trouvés. Imaginez-vous, ça fait 4 jours. Ses narines. C'était déjà apprécié. Il m'a dit, ça fait 4 jours. Le sang avait déjà séché. Le sang ne circulait plus. Ça fait 4 jours. Le poumon était pourri. Ça fait 4 jours. Le cœur ne battait plus. Mais lorsque je suis apparu, il y a quand même le côté. Comment tu te sens un ennemi, soyez sûr. Et ton chaché, tu te sens un ennemi. Alléluia. Lorsque Jésus parle, il ne va pas être payé, il ne va pas être payé. Alléluia. Lazare sort de cet endroit. Sors. Je te dis Lazare, sors. Je te dis sors de cet endroit. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as dit, lorsque Jésus parlait à Lazare, pour dire, Lazare, sors. Et récemment, il avait cité le nom de Lazare. Parce que s'il avait seulement dit, sors. Tout le monde allait sortir. Tout le monde allait sortir. Mais je pense que lorsque Jésus avait dit, Lazare, sors. Voilà. Il s'est dit, non, ça y est, ok. Non,
dit Lazare est bien. Il a dit Lazare est bien. A dit Lazare, est-ce qu'il est bien, Lazare? Il s'est pas dit, il est bien, c'est mon ami. D'ailleurs, on a mangé ensemble. Il a dit qu'il est là. Lazare est sorti. Parce que s'il n'avait pas cité le nom de Lazare, tout le monde serait sorti de la tombe. Parce que lorsque Jésus parle, tout obéit. Alléluia. Jésus il dit, ta situation obéira à la voix de Jésus. Ta situation, ton problème là, ça va obéir. Ton problème là, ça va fléchir au son et à la parole de Jésus. Ça va fléchir, ça va fléchir, ça va fléchir. Lazare qui était totalement décomposé, il est quand même sorti. Lazare qui était totalement décomposé, il est quand même sorti. Il est quand même sorti. Il est quand même sorti. Il est sorti de cette tombe. Il est sorti de cette tombe. Alléluia. Alléluia. Le Jésus que je prends ce matin, le Jésus, le Dieu de Lazare, c'est un Dieu de restauration. Capable de ramener à la vie sans qui est mort. C'est un Dieu de restauration. Capable de les ramener à la vie, ce qui n'existait plus, ce qu'on ne pouvait plus voir, ce qui n'était même plus à la portée de la guérison, il peut les ramener encore à la vie, pour les ramener à la vie. Lazare, ses oreilles étaient bouchées déjà, ça fait 4 jours, il sentait déjà ses intestins totalement pourris, son cœur ne battait plus, détruit, sa bouche déformée, ses yeux totalement troués, il sentait mauvais. Et d'abord, les bouchers, même les pieds, la chambre, les sang ne s'écrivait plus. Mais lorsque Jésus a parlé, il est quand même sorti. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, si ce matin, tu me dis, oh, la sinistrité de tout ça là. Je dis, la chambre, vous êtes à qui sinistrité, solo tout est vide à l'amour, mais il est quand même sorti intact. Oh, ma moutée, ma passe, ma passe. La chambre, tout, moutée, ma dépourvue, mon coupe, à ses bras. Oh, il faut monter. Alléluia. Oh, là, on ne te peut pas si. La femme ne te peut pas lui, mais il est quand même sorti. Alléluia. Amen. Oh, Michel, on a pris un petit coup. La femme du Christ de ton monde, il est quand même sorti de la tombe. Oh, maintenant, il passe là, on a pris un pied. On a dit, suce. La femme, maintenant, il est dormi, mais il est quand même sorti. Il est un bon problème dans le c'est quoi l'évangile qui fait ça? Je vais lui dire, vous dites, Jésus est capable de tout. Rien ne peut l'arrêter. C'est ma question. C'est Jésus qui est capable de tout restaurer. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas dit, hey, Lazare, puisque tes yeux sont troués, allez. Que tes yeux commencent à reprendre la foi. Puisque ton sang ne suffit plus. Que ton sang commence à suffire. Il n'a pas dit ça. Il a seulement dit un mot. Lazare, sors. Alléluia. Amen. Si tu es malade ce matin, je vais te dire, sors. Sors au nom de Jésus. Cet état de la maladie, tu dois sortir. Si tu as des problèmes, je n'ai pas dit, au moins le roi va prendre Mbogo. Mbogo est à la prochaine. Non, je te dis ce matin, Dieu a dit, sors de cette situation de pauvreté. Sors de cet endroit-là. Alléluia. Le seul mot suffit. Tu dois sortir. Quitte ce niveau-là. Quitte cet état-là. Je suis prêt que tu quittes cet état-là. Je suis prêt que tu quittes cet état-là. Tu dois sortir. Qui doit sortir? Qui doit sortir? Oh, ma tout d'abord, je vais prendre ça. La zone m'a tenu, c'est Kaouki. M'a tenu Kaouki. Et ainsi, qui est venu sortir. Mais à qui m'a tenu comme aussi? Qui est le problème donc avec qui là? Parce qu'il est venu. Il pense que c'est un problème de Jésus. Il faut le tour de l'église. Oui, il y a eu la mission. C'est ma tête qui est venu prêcher un Jésus qui est capable de tout faire. Alléluia. C'est quelqu'un qui est malade ce soir. C'est Dieu pour l'église. Et tu commences à recevoir la guérison au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui est problème, je suis venu dans ce matin. Pendant qu'on prêche, il y a des solutions qui commencent à s'arranger. Le nom de Jésus. C'est quelqu'un qui commence à prier, il pleure au dedans. Je suis venu te dire, il y a droit à pouvoir espérer encore parce que le Seigneur que nous prêchons ce matin, il est capable de résoudre les problèmes. Amen. Avant que tu ne parles à toi, avant que tu ne crois pas ce que je lui dis, mais si tu crois ce que je lui dis, je te rassure que cela va s'accomplir. Il te met au Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Il est merveilleux, il est merveilleux. Mon problème est que ça sera jour combien. Je m'en fous des jours. Je m'en fous des jours. Je sais que l'homme de Jésus peut tout faire, peut ramener, peut restaurer tout. Oh, ça va je vais bénir. Non, je m'en fous de ces jours-là. Je t'ai dit ça passe ma tête. Tu peux sortir de cet état. Au nom de Jésus. Amen. Sors, sors. Lazare est sorti. Lazare est sorti. Mais il sort quand même avec des liens. Il est lié partout. Il sort, je ne sais pas comment il marche. Est-ce qu'il marche?
comme ça. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais quand il est, il a fait son sort. Mais une chose est vraie, il nous sort. Il vient. Mais Jésus m'a donné aussi l'ordre à ces gens-là. Pendant que mon ligne a crié, c'est vous qui l'avez lié. Vous devez les délier. Ce matin, je suis en train de dire à ceux qui ont lié les choses de ta famille, ils doivent te délier au nom de Jésus. Oh, ma famille, ils doivent les délier maintenant au nom de Jésus. Qui fait pour moi, va au carasso dans la famille. Ils sont obligés d'être déliés au nom de Jésus. Il faut qu'ils soient déliés. Il faut qu'on te délie au nom de Jésus. Bakali, parce que Lazare ne peut pas avancer. Il est lié partout. Il est lié partout. Mais je suis dans l'ordre. Vous devez les délier. Ce matin, je commande au diable de pouvoir délier ma oiseau. Je commande au diable, ici à Bethesda, de pouvoir délier ma oiseau qui est là au nom de Jésus. Délier-les. Délier-les. Alléluia. Lazare était délié des biens. Vous savez, la résurrection de Lazare, c'est aussi nous prouve au Seigneur. Le Dieu qui est capable de ressusciter, il sera aussi capable de pouvoir vous délier. S'il est capable de ressusciter Lazare, c'est que les liens ne représentent rien pour lui. S'il est capable de ressusciter quelqu'un qui était mort, on va commencer à venir d'ailleurs. Ce n'est pas un problème. Si Jésus pouvait te ressusciter, toi qui étais dans le péché, il t'a ressuscité, il t'a donné le salut. Pourquoi il va progresser? Est-ce qu'il est capable de faire ça? Il peut résoudre aussi ça. Il n'a plus de problème. Parce que le grand déjà a salué à vous. Il y a des gens qui étaient grands. Pourquoi pas comme ça, c'est rien. Ce qui était grand, c'était que Lazare sort. Pourquoi pas rien? C'est rien. Alléluia. Si Jésus t'a donné le salut, bon, on va avoir un petit papa qui a été créé. C'est rien. Si Jésus t'a donné le salut, on va le faire au camarade. C'est rien de penser à Jésus. La résurrection de Lazare nous enseigne aussi que le Dieu qui est capable de ressusciter, il sera aussi capable de pouvoir aussi vivre. Alléluia. Le Dieu permet d'être ôté. Le Dieu permet d'être ôté. Je prie que le Seigneur ôte les liens de ton cœur au nom de Jésus. Amen. Vous savez, je m'en vais finir. Pendant le funérail, la cérémonie funéraire, Lazare, il y avait plusieurs étapes. Lazare était malade. Lazare a fini la mort, il a été enlevé. Il a été lié. On est parti l'introduire dans le tombeau. Mais ensuite, on est parti prendre une grosse pierre pour la poser. La dernière étape dans la cérémonie de l'enterrement de Lazare, c'était la pierre. Ils ont pris la pierre, ils ont posé devant le tombeau. Mais ce qui est cher, lorsque Jésus est venu, il ne commence pas par les liens. Il commence pas d'abord par ôter les liens. Il ne commence pas d'abord par faire sortir Lazare. Il commence d'abord par demander qu'on puisse ôter la pierre. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, là où ton ennemi a fini, c'est là où ton Dieu va commencer. Est-ce qu'il y a un moulin dans ma qui est là? Est-ce qu'il y a un amène à Yo à Obanda? Alléluia. C'est que là où les ennemis. Les hommes croient que c'est la fin. C'est là-bas que ça sera le début. Alléluia. C'est là-bas que ça sera le début. Lorsque ton Dieu est là. Et si tu as un soutenir, laisse ta parole au soutien. Est-ce que ma moula va soutenir? Et si tu as un soutenir là? Est-ce que ma cache le soutenir? Laisse ta parole au soutien. Les hommes ont fini par la pierre. Jésus, quand il est fini, c'est par la pierre qu'il a commencé l'opération. Alléluia. Je prie que le Seigneur commence là où toi tu as fini. Je prie que le Seigneur commence là où toi tu as plus de force. Je prie que le Seigneur vienne commencer là où tu n'as plus d'intelligence. Je prie que le Seigneur vienne commencer là où toi tu n'en peux plus. Je prie que le Seigneur vienne commencer là où les hommes ont arrêté la vie. Je prie que les hommes viennent, le Dieu vienne commencer là où les hommes ont fini dans ta vie. Alléluia. 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 C'est que les hommes croient que c'est fini pour toi. C'est ta fin, je suis là pour te dire. Choses. C'est le début, il commence là où les hommes ont fini. Alléluia. Vous savez, Jésus est venu ressusciter Lazare. Lazare était déjà dans la tombe. Lazare que Jésus avait connu, c'était un Lazare qui était en bonne santé. C'était un Lazare qui n'était pas malade. Donc, durant tous les temps que Lazare était mort, durant tous les temps que Lazare était placé dans le tombeau, et on avait posé la pierre devant le tombeau de Lazare, Jésus était absent. Mais ce que Jésus fait, souvent pour ceux qui l'aiment, il fait tout pour faire une marche à l'arrière pour pouvoir te
avait gardé les occasions. Alléluia. Parce que je parle à quelqu'un. Jésus lui fait tout pour pouvoir participer à toutes les occasions qu'il avait gardées. Donc on a tiré Lazare. La même opération sur la tombe. Mais Jésus commence à faire la marche en arrière. Il commence d'abord par la prière. A d'initié Lazare. Voilà. A d'initié Lazare. Il lui dit, va laisser les parties. C'est-à-dire, il voulait que, voir Lazare tel que lui, il avait connu. Il avait connu Lazare qui était capable de se promener. C'est pourquoi, lorsqu'il a ressuscité Lazare, il commence à le faire sortir. Il dit aux hommes, laissez les parties pour qu'il puisse voir Lazare dès qu'il y a aller la guillée. Il a connu Lazare qui n'était pas malade. Il a connu Lazare qui était à bonne santé. Lorsqu'il vient pour ressusciter Lazare, il va faire en sorte que Lazare puisse rentrer à l'état initial. Comme lui il avait prévu, comme au commencement, comme lui il avait toujours mis à ça. Alléluia. Je suis venu te dire, peut-être que tu es là, ce n'est pas seulement le plan de Dieu. Dieu voyait quelqu'un qui ne doit pas connaître le problème, qui ne doit pas connaître la maladie. Ce qu'il va faire dans ta vie, pour qu'il fera tout pour te ramener à l'état où il t'avait connu. Il va tout faire pour te ramener comme au commencement. Il va te ramener comme au commencement. Au commencement, il n'y avait pas de maladies. Au commencement, il n'y avait pas de problèmes. Au commencement, il n'y avait pas de soucis. Au commencement, il n'y avait pas de morts. Je parle du commencement de l'éternité. Je viens de l'éternité pour te dire, au commencement, la mort n'existait pas. Lorsque Jésus vient pour les Lazare, il fait tout pour les ramener selon le modèle du commencement. Selon le modèle du commencement. Au commencement, il n'y avait pas de morts. Au commencement, là-bas, l'éternité dans le royaume, il n'y avait pas de maladies. Là-bas, au commencement, dans le royaume, il n'y avait pas de problèmes. Ce que Jésus fait, lorsqu'il vient, c'est pour ramener toujours au commencement. Selon le plan merveilleux de Dieu, il faut que tu sois en bonne santé. Selon le plan merveilleux de Dieu, il faut que tu ne sois pas lié. L'ennemi ne doit pas te lier. Tu dois marcher sur l'ennemi, tu dois marcher sur le péché, tu dois marcher sur le n'importe quel problème. Parce que comme ça que le Seigneur t'a répondu, il va tout faire pour te ramener au commencement. À chaque révélation de Jésus, à chaque manifestation de Jésus, le compteur a toujours été ramené à zéro. Le compteur a toujours été ramené à zéro. J'aime les enfants d'Israël, lorsqu'ils devaient sacrifier l'agneau à Goshen pour appliquer le sang dans les portes de l'air bientôt. Les l'air vivant, quand vous allez immoler l'agneau, ces mois-là, ça sera le premier mois de l'année. Or, les théologiens vont s'accorder pour dire que cette période, c'était entre mars et avril. Mais Dieu dira, peu importe, mars et avril, je veux que le jour où vous allez immoler cet agneau là-bas, que ce soit le premier mois de l'année. Ça veut dire quoi? La révélation de l'agneau, parce que la révélation de l'agneau Jésus ramène toujours les choses au commencement. C'est pourquoi ceux qui sont à Christ deviennent une nouvelle créature. Alléluia. Lorsque Jésus arrive, le pire ultime, c'est de voir ramener les compteurs à zéro. Alléluia. Il voulait ramener les compteurs à zéro, voir les Lazare qu'il avait connu et Lazare qui était en bonne santé. Je veux que le Seigneur puisse ramener quelqu'un comme au commencement. Je veux que le Seigneur ramène quelqu'un comme au commencement. Amen. Vous allez voir avec moi que des Lazare que Jésus a ressuscité, lorsqu'il a ressuscité, dans les épreuves de Jésus, il va se développer ensemble sur une même table avec Jésus. Commencer à manger ensemble. La leçon qu'il faut tirer, c'est que l'une des raisons des miracles que le Seigneur produit dans nos vies, c'est pour qu'en fait, le miracle puisse faire en sorte que nous puissions nous rapprocher de lui et un jour nous puissions manger avec. Jésus voulait dire à Lazare, je sais que tu es mort, mais mon but, c'est que un jour, te voir encore avec moi, manger sur une table. C'est pourquoi Jésus doit nous ressusciter. C'est pourquoi Jésus nous a sauvés. C'est pour qu'un jour, nous puissions nous retrouver avec lui, manger sur une table. Amen. Et en même temps, vous allez voir aussi, tout ce que vous avez vu dans le livre des Jean, chapitre 11, lorsqu'il avait fini par ressusciter Lazare, finalement, il a commencé l'histoire de la mort de lui-même Jésus. On a passé à la côté, mais là, l'histoire de la mort de Jésus. On ressuscite Lazare, et avec un autre, on a ressuscité Lazare. Le jour où il se situe maintenant, pourquoi on va l'exister? Ils vont décider de tuer Jésus. L'histoire de la mort de Jésus commence lorsqu'il a ressuscité Lazare. En réalité, Jésus voulait ressusciter Lazare pour que Lazare puisse être le témoin de sa mort. Il fallait que Lazare puisse voir la mort de Jésus. Il fallait que Lazare puisse être le témoin de la mort de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus doit nous ressusciter. Nous étions morts dans le péché. L'une des choses que nous a ressuscité, c'est pour que nous soyons des témoins de sa mort. Allez.
Alléluia. Jésus ne nous respecte pas pour rien. Il ne fait pas des miracles pour rien. Il ne fait pas des bonnes choses pour rien. Le but ultime, c'est pour que nous puissions être en église avec lui, mais en même temps, de pouvoir être aussi les témoins de sa mort. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Jésus n'est pas un témoin. Il faut que tu aies témoigné. Il faut que tu aies parlé de la parole de Jésus. Il faut que tu aies parlé de la mort de Jésus. Amen. Amen. Je suis venu te dire ce matin, tu es un hasard, je suis un hasard. Nous étions autrefois morts dans nos péchés, mais Jésus est venu nous ressusciter. Alléluia. Mais il ne nous a pas ressuscité à la manière de Lazare. Il nous a ressuscité à la place de la croix de profonda. Pendant qu'il mourait, la Bible dit, laissez commencer à ressusciter. Il ne nous a pas ressuscité à la manière de Lazare. Non, 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 ce n'était pas à la manière de Lazare. Vous savez, Lazare, pour que Jésus vienne le ressusciter, il fallait qu'il y ait des messagers, il fallait qu'il y ait des intercesseurs pour aller dire à Jésus, Jésus, Lazare est malade là-bas. Il fallait que Marthe et Marie aillent plaider devant Jésus. Jésus, l'homme que tu es, il est mort. Il fallait qu'il y ait des gens pour intercéder. Mais nous sommes le résultat de la foi. Il n'y avait pas des intercesseurs. Jésus lui-même se présente comme un intercesseur. Alléluia. Je suis dit à quelqu'un, nous avons un intercesseur auprès du Père. Jésus lui-même était un intercesseur. Vous savez, il fallait qu'il y ait Marie et Marthe, mais pour nous autres, il fallait que Jésus lui-même intercède pour notre cause. Yes. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la résurrection de Lazare, il fallait qu'il y ait des hommes pour rouler la pierre. Mais le jour où Jésus ressuscitait, il n'y avait personne pour rouler la pierre. Mais si lui-même est descendu pour rouler la pierre, je suis venu dire à quelqu'un, lorsque Jésus nous a ressuscité, Dieu lui-même s'est chargé de ce dossier pour rouler notre prière. Alléluia. Amen. Jésus lui-même est descendu pour rouler la prière. Jésus est fruit de la mort de Jésus. Jésus ressuscité depuis Golgotha. Alléluia. Tout a été payé là-bas. Puisque Jésus ressuscité depuis Golgotha, la mort n'a aucun pouvoir sur moi. Satan n'a plus de pouvoir sur moi. Les problèmes n'ont plus de pouvoir sur moi. Jésus de la grâce et de Dieu. Le bonheur m'appartient, la paix m'appartient, la gloire m'appartient, l'enlèvement c'est pour moi, le royaume c'est pour moi. Je peux marcher sur le péché, je peux marcher sur le problème, je peux marcher sur la maladie, parce que je ne suis pas la manière de Lazare. Je suis plus que Lazare, parce que pour moi, l'intercesseur c'était Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lazare et ses situations. Ces situations doivent obéir à la voix du Maître. Alléluia. C'est quoi nous allons nous lever? Commence à bénir le Seigneur pour la résurrection qu'il a faite pour toi. Si la salle est ressuscitée, ça veut dire aussi tous les problèmes que tu as, ça peut aussi ressusciter. Si la salle est ressuscitée, ça veut dire que tes dossiers-là, quand bien même ça devient compliqué, ça peut aussi ressusciter. S'il y a des choses qui sont non répétées, Jésus a voulu, ça peut aussi ressusciter au nom de Jésus. Il faut que celui qui t'a lié puisse te délier au nom de Jésus. Prie la prière au nom de Jésus. Il doit sortir de cet endroit. Il doit sortir de cet endroit. C'est un ordre que le Seigneur donne. C'est un ordre que le Seigneur donne. Je suis la santé, mon corps est le péché, il n'y a pas de vie.